matin. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons continuer sur la série des slimes XXL. Parce que c'est un type de vidéo que vous aimez beaucoup. Il y a pas longtemps j'ai déjà fait un slime XXL avec des Orbeez. Et vous m'avez proposé plein d'idées de recettes. Et aujourd'hui j'ai retenu une recette de slime XXL. Et c'est du slime XXL avec du Fanta. Enfin avec des sodas en général en fait. Donc j'en ai plusieurs là. Là il y en a deux, là il y en a encore un là. Franchement c'est un truc que je voulais mais trop tester. Je voulais voir si le slime se formait quand même avec du soda ou si ça se formait pas. Donc on va découvrir ça aujourd'hui, si ça marche bien ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Et moi je vous mets au défi d'atteindre les 7000 likes sur cette vidéo. Et si cette vidéo atteint les 7000 likes, je pourrais refaire une autre vidéo de slime XXL avec d'autres sodas. Donc je sais pas, d'autres Coca-Cola, différents à la cerise et tout. Enfin je sais pas, n'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire. Donc petit aparté, j'ai organisé un concours il y a pas longtemps de ça, je me rappelle plus exactement il y a combien de temps, mais il y a pas longtemps j'ai organisé un concours et le concours s'est terminé mercredi. Donc ça y est, j'ai contacté les gagnants par mail, les mails sont envoyés, donc n'hésitez pas à aller voir vos boîtes mail pour savoir si vous avez gagné ou pas. Et ça sert à rien de me demander qui a gagné. À chaque fois c'est pareil, j'ai le même système et à chaque fois on continue à me demander qui a gagné le concours. Je ne dirai pas les noms des gagnants parce que comme d'habitude sinon ça fait plein d'histoires, ça fait créer des faux comptes etc. Et j'ai pas envie d'avoir de problème. Pour le moment je n'ai jamais eu de problème quand je contactais en privé directement par mail les gens et ils me répondaient, j'envoyais les lots etc. J'ai jamais eu de problème, du coup bah je continuerai à faire comme ça, donc ça sert à rien de me demander qui a gagné le concours. Et si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir une de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot soda en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc pour faire ce slime XXL avec des sodas, bien évidemment on va avoir besoin de soda. Donc moi j'ai décidé de prendre des Fanta. Donc j'ai pris plusieurs goûts, donc 3 goûts. Donc je vais faire 3 slimes XXL bah avec ces 3 sodas pour voir ce que ça donne. Donc on a un au goût de pomme cerise, ensuite on a citron et ensuite on a cassis. Ça c'est vraiment des Fanta que j'ai jamais goûté, que j'ai jamais pris la peine de goûter. Il y a des goûts, je savais même pas que ça existait. Du coup ça va être l'occasion de les goûter hein. Ensuite bien évidemment on va avoir besoin de colle. Donc comme toujours c'est la colle Cléopâtre. Donc pour retrouver pareil que d'habitude, tout sera en barre d'infos. Donc là on va prendre 1 litre pour chaque boisson. Et pour former le slime on va utiliser de la lessive. Donc voilà, hein, comme d'habitude on peut utiliser du borax ou de la lessive. On m'a beaucoup aussi demandé quelle lessive j'utilisais. Donc c'est tout le temps l'extra total, j'ai pas testé d'autres lessives pour voir si elles marchaient ou pas. D'ailleurs si vous voulez une vidéo où je teste plusieurs lessives, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous ai tout montré. Ah non, on va aussi avoir besoin de bacs. Donc là moi j'ai pris 3 grands bacs. Bon du coup on y va, on va commencer. Pour le premier j'ai bien envie de commencer par le Fanta pomme cerise. Donc c'est vraiment une jolie couleur rose, très jolie, rouge, très jolie. Donc on va commencer par mettre la colle dans le récipient. Donc on ouvre la colle. Ah cette odeur d'amande, j'adore. Bon du coup on va verser toute la colle dedans. On verse tout. Franchement là c'est vraiment pas très compliqué, vous allez voir. J'espère quand même que ça va marcher hein. On met toute la colle. Voilà, la colle c'est fait. Et là on va passer à la partie la plus intéressante. Donc on va venir rajouter le Fanta dans la colle en fait. Donc normalement c'est censé colorer un petit peu et tout. Donc on va ouvrir. Oh ça sent trop bon. Oula, ça gazouille. Oh ça sent trop bon, j'ai envie de goûter. Mmh, oh grave bon. Et du coup bah là on va venir ajouter le Fanta bah, dans la colle. Donc on va rajouter un petit peu d'abord, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais rajouter ça d'abord, je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'on en rajoutera après. On va venir remuer du coup. Oh, c'est trop bizarre. Oh là là, ça sent grave bon. Du coup là, c'est pas assez coloré, je trouve. Je vais rajouter un peu de Fanta. J'espère que ça va pas gâcher. Hein. On continue à touiller. Ah là, c'est un peu plus coloré. Oh, ça fait trop beau, regardez-moi ça. C'est une couleur très subtile. Oh mais ce slime il sent tellement bon. Ça touche de malade, j'ai envie de le manger hein. Bon voilà, là c'est assez remué. Ça fait une très jolie couleur. J'aime beaucoup. Du coup là on va venir former le slime. Du coup on va venir ajouter de la lessive. Donc bah, c'est parti. On va mettre un petit peu.
J'espère que ça va marcher, hein. J'ai jamais testé, hein. Voilà, et là on remue. Ça marche! Oui! Ça marche! J'en rajoute encore un peu. Oula, j'en ai trop mis là, je crois. C'est fatigué, hein. Faut vraiment mettre pas mal de lessive en fait. Ça, c'est ça qui fait le tout. Parce que c'est vachement plus liquide comme on rajoute du liquide. Du coup, faut rajouter pas mal. Faut rajouter pas mal de lessive. A few moments later. Bon bah voilà, le premier slime est fait avec le soda. Ça sent mais tellement, tellement le Fanta, j'adore. Franchement, plutôt pas mal. Bon, c'est pas les slimes classiques de d'habitude. Ils sont vachement plus liquides en fait. Parce que bah, comme on rajoute de l'eau, c'est normal que ça soit un peu plus liquide. Mais ça va, ils sont plutôt pas mal. Bon bah du coup, lui c'est fait. On va tout de suite tester les deux autres. Bon, pour le deuxième, j'ai envie de tester celui à la cassis. Parce que faire un petit slime violet, ça m'a l'air pas mal. Donc on va tester celui-là. On va venir rajouter la colle tout d'abord, comme d'habitude, hein, ça change pas. On met toute la colle. Pas de gaspillage, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. On va venir rajouter le petit Fanta cassis. Donc on ouvre. Oula! Oh, ah, j'aime pas du tout l'odeur. Tiens, écoute, je vais goûter pour voir. Ah non, j'aime pas du tout. Bon, du coup, bah maintenant, on va venir ajouter le Fanta là-dedans. Donc on va venir en mettre un petit peu. La couleur, j'adore. Voilà. Et du coup, bah on va venir remuer. Oh, c'est trop beau. Oh non, j'adore. Waouh, le violet. Mais ça se paraît super clair, mais c'est le violet, il est là quoi. Mais c'est dingue, comment ça colore autant. Bon, voilà, là c'est bien remué. On va venir ajouter la lessive. On met la lessive. On n'hésite pas parce qu'il en faut pas mal. On remue. C'est super gélatineux, c'est trop bizarre. Ah mais... En fait, le truc là, c'est vraiment, faut vraiment venir mettre beaucoup de lessive parce que ben, faut vraiment beaucoup en mettre. Je pensais qu'il en fallait moins, mais du coup, ben non, il en faut beaucoup. A few moments later. C'est trop beau. Et voilà, le violet est fait. Bon, par contre, ça a plus du tout la même couleur. Ça s'est vachement éclairci parce que j'ai rajouté beaucoup de lessive. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, lui, c'est bon, c'est fait. Et du coup, bah, on va tout de suite tester le dernier Fanta. Donc du coup, on va passer au dernier slime. Donc là, c'est le Fanta au citron. Donc bah, on va tester pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on va venir ajouter de la colle. Donc 1 litre. On met tout. Et du coup, bah là, on va venir ajouter le Fanta. Donc, on va commencer tout de suite par la dégustation parce que on est obligé de goûter. Oh là là, ils sont tellement bons. Oh putain, j'adore. Oh, lui, c'est mon préf. Hein. Et du coup, bah, on va venir ajouter le petit Fanta à l'intérieur. Voilà. On va venir remuer. Oh. Oh non, j'adore. J'adore. Ah non. On remue bien. Oh, ça éclabousse de partout, hein. Mais la couleur, elle est trop belle. Les petits slime XXL avec le soda, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup. Voilà, là, c'est bien remué. Et du coup, bah, on va venir ajouter la lessive pour former bah, le slime. Donc, on en ajoute pas mal.
Maintenant que je sais qu'il en faut pas mal, j'en mets direct pas mal, hein. Il est trop beau. J'adore. Ça fait vraiment un jaune très clair, mais bon, je m'en doutais parce que la boisson est déjà de base claire, mais j'adore. Ça fait un jaune très joli, je trouve, quand même. Je crois que lui, c'est celui que j'ai le mieux réussi. J'adore. Bon bah voilà, j'ai testé les 3 slams XXL avec les sodas. Et franchement j'adore, hein. Je sais pas lequel est mon préféré, j'adore, je les adore tous. Lui le violet il est super joli. Je crois que celui que j'aime un peu moins c'est celui-là. Bon la couleur par contre est magnifique, mais je pense que c'est celui-là que j'aime moins. Mais j'adore le jaune aussi. Je pensais pas que ça allait marcher avec les sodas, mais ça a marché. Donc je suis assez surpris. Mais franchement je suis complètement fan. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Et aussi n'hésitez pas à me proposer des petites idées de slime XXL que je pourrais faire. Et puis voilà. Et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye.